bienvenue à toi les acousticiens. On est parti pour une heure de découverte musicale comme à la maison. Histoire de scènes et de personnages. Des personnages qui vont nous faire voyager donc avec nos invités du jour. Alors on n'est pas à Noiselle, cette fois-ci on est à La Clée à Saint-Germain-en-Laye. Et on voit ce soir, il va y avoir un concert mémorable puisqu'il y a Christian Olivier et le collectif 13 pour nous représentants quand même de la scène alternative française, donc qui vont jouer ce soir. Et à cette occasion, on fait un petit acoustique. Je vous présente après les invités. En attendant, on a Erwan à la vidéo. Et oui, les acousticiens, bientôt tu auras de l'image. Nous avons également Thomas, notre décortiqueur musical favori. Tu y vas, ça me gêne à chaque fois. Et puis on a même Jérôme Vaillant, le fondateur du webzine songazine.fr, c'est ça ? Alors, il est derrière, il n'a pas de micro, mais en tout cas, il approuve. Et puis, il mettra tout à l'heure son grain de sel. Et puis, enfin, nos invités, le collectif 13 en personne. Salut les gars, bienvenue à tous. Voilà, donc ils sont nombreux. On a Cyrano, Gary, Barcella, peut-être Mourad. Ali, on a Max également à l'accordéon, Jérôme qui sera à la guitare, et puis nous avons Erwan le bassiste. Eh bien, bienvenue Erwan. C'était la petite surprise du jour. Ben, en tout cas, je vous remercie d'être venu. Alors, vous allez me corriger, je vais essayer de vous présenter en deux, trois mots, histoire qu'on ne reprenne pas tout votre historique comme vous le faites à chaque type d'émission comme celle-ci. En tout cas, d'après ce que j'ai vu, c'est l'histoire de plusieurs potes, vous me corrigez, hein, issus de groupes de zik d'univers différents, déjà bien bien reconnus dans le milieu. Alors, on va les énoncer en gros, on a Le Pied de la Pompe, Trio, La Rue qui est à nous, Massilia Sound System, No One is Innocent, Barcella, t'es en solo, je crois. Yes. T'es là, je t'avais perdu. TJ hors d'œuvre, alors il est pas là, il est pas là maintenant. Merci. Est-ce que j'en ai oublié? Non, ok. Il y a aussi Yannick de Cinsemilia. Il y a Mike de Cinsemilia. Ah oui, d'accord. Et le petit son aussi, je crois. Max, le Max, petit son, il est là. Le Max du petit son. Et Max, voilà. Du Peuple de l'Herbe. On a Franck du Marseille Sound Orchestre. Pas tous là aujourd'hui. Ça fait du beau monde. Et ben en tout cas, à force de, je continue la petite histoire, à force de vous inviter mutuellement sur des scènes et des soirées, vous avez décidé de faire un projet commun et de l'année un album et surtout pas mal de concerts dans toute la France. Au menu du plaisir, de la fête, de l'aventure, l'aventure musicale, humaine et puis l'aventure sur la route. En gros, est-ce que j'ai dépeint un petit peu le portrait du collectif 13 ? C'est ça, c'est bien, pas c'est pas mal. Hein, c'est, bien. C'est pas mal. Ah, oh là, l'approbation du collectif 13, c'est ça, beau. Fait plaisir. Maintenant que les présentations sont faites, je te propose, les auditeurs, de découvrir, après ces petits jingles, une petite présentation, un premier titre en live. Nous sommes en compagnie du collectif 13 qui va te braquer les tympans avec son nouveau Je m'en mêle les pinceaux, c'est le direct. Alors c'est une chanson qui s'appelle Vivant. Alors, au moins ils sont morts de rire, ils sont décontractés. Et donc on s'écoute tout de suite, il est déjà parti Jérôme avec Vivant. Le nouveau single. Sous la lumière, ce qu'il y a de plus naturel. Des gènes de nos grands-parents, camouflés mais toujours vivants. Faudrait penser à se tondre, différent dans le nouveau monde. Le chanter à nos enfants, en leur disant qu'on est vivants. On a tous l'âge évidemment, on a suivi un instant. Car c'est comme ça qu'on est, mais vivants. On a tous l'âge évidemment, on a suivi un instant. Car c'est comme ça qu'on est. Hey, le tiroquet c'est trop mortel. On lui est beaucoup trop fidèle. On en prend un coup d'argument. Et débrancher tout sentiment. Si on ne revient pas en arrière, ceux qui préfèrent vivre hier. Sûrement que leurs enfants sont grands. Mais quand tu fais de l'heure. Vivant, on a tous l'âge évidemment. On a suivi un instant. Car c'est comme ça qu'on est. Mais vivant, on a tous l'âge évidemment. On a suivi un instant. Car c'est comme ça qu'on est. Allez, allez.
voilà, voilà ce qu'on a gagné. Où va la vie qu'on a serrée? À ceux qui regardent passer le temps, je leur dirai qu'on est les yeux posés sous la lumière, ce qu'il y a de plus naturel. Les gènes qu'on laisse à nos enfants, on aimerait qu'ils soient vivants. On a tous l'âge évidemment, on a suivi un instant, car c'est comme ça qu'on est vivant. On a tous l'âge évidemment, on a suivi un instant, car c'est comme ça qu'on est. On a tous l'âge évidemment, on a suivi un instant, car c'est comme ça qu'on est vivant. On a tous l'âge évidemment, on a suivi un instant, car c'est comme ça qu'on est vivant. On a tous l'âge évidemment, on a suivi un instant, car c'est comme ça qu'on est vivant. On a tous l'âge évidemment, on a suivi un instant, car c'est comme ça qu'on est vivant. Yes. Yeah. Yeah. Merci collectif 13 pour les acoustiques. Merci Dijon. Alors qu'est-ce que venait faire ce Merci Dijon? C'est cadeau. C'est cadeau, c'est cadeau. Merci le collectif 13. Bah ouais, bah le monde entier. Ah, voilà, eh bah ouais. Bah, bah, web radio, il l'avance. Hein. Alors Jakarta. Voilà. Il y en a un d'ailleurs qui était allé jouer d'ailleurs en Inde. Oui. Hein, Bon, c'était pas le sujet des questions, etc. Mais c'est vrai que c'était quelque chose qui m'avait touché, parce que aller jusqu'au bout du monde pour aller jouer Sazik. Pour aller représenter le collectif et auprès des enfants en Inde. Voilà, c'est ça. Bon, super sympa. Alors je crois que Thomas, que depuis tout à l'heure j'ai pris la parole, mais Thomas, je l'ai pas laissé trop la mais parole. Mais tu fais ça bien. Hein. Alors moi j'aimerais savoir, c'est quoi pour toi, ça t'inspire quoi le collectif 13? T'as ta petite critique, vas-y, lance-toi, c'est à toi. Ah non, mais moi je connaissais à peu près tout le monde ici, hein, quasiment. Bah, mention spéciale d'ailleurs à Gary qui était venu quand j'étais, alors c'est il y a de ça 7 ou 8 ans, t'étais venu à la fac de Saint-Charles. Vous avez fait un concert avec Waystar. Ah oui. Et concert de soutien là, parce que deux camarades étaient en garde à vue, alors pour payer les avocats et tout, vous étiez venu jouer, vous aviez tout déchiré. Vous avez le vent dans le dos, un album de sortie, des dates jusqu'en septembre. Première date de la tournée ce soir de 2016. Dans sa version actuelle, donc du coup c'est plus d'une dizaine de musiciens, le collectif 13. C'est ça, est-ce qu'on est obligé d'être potes pour faire un truc comme ça? Potes, je sais pas, je pense qu'on est obligé d'avoir les mêmes valeurs. C'est surtout ça, ouais. le même amour des mots. Le même regard sur notre métier de musicien. Et bizarrement, quand tout ça coïncide, tu te retrouves vite pote. Ouais. Oui, tu m'étonnes. Parce que vous avez des histoires croisées qui se ressemblent là, tous de là où vous venez. Bah, y a un fond commun quand même, qui est notre approche humaniste, on dira. Oui. Et j'approuve. La fonction qu'on donne à notre art, quoi. Tu vois, on est là pour rassembler, on est là pour remplir les gens, on est là pour... Après, avec des couleurs, des tempos différents, tu vois. C'est le même discours avec chacun à sa façon. On n'a pas la même forme dans la chanson, mais on a les mêmes fonds des chansons. Mais c'est ça, parce que vous pouvez faire franchement un concert de 2 heures rien que de tubes. Mais vous n'avez pas fait un truc foutage de gueule. Vous avez fait un truc original, personnel. Et vous avez créé une alchimie là-dedans et vous avez fait des compositions originales. Comment vous avez réussi à laisser une place pour ce collectif? Bah si, ça s'est passé pas mal par internet au départ. Mmh. On avait fait ça avec. On a préparé un petit peu le collectif avec Gizmo. Et quand on a écrit les chansons, on avait chacun amené un peu ses chansons. Et on a écrit des couplets au départ pour meubler un peu cette chanson. Puis Gary vient et puis il prend le texte et puis il le réécrit à sa façon, parce qu'il a une façon bien particulière bien de chanter. Ouais. Cyrano est venu ensuite et puis il a fait un petit peu la même chose. Barcela, c'est pareil, il arrive ensuite et il voit la chanson, il voit comment c'est fabriqué, il voit de quoi ça parle, les valeurs, et puis il vient de chanter à sa façon. Yes. Et puis on a notre golden chanteur avec nous qui fait ça très très bien aussi, avec Ali. Et c'est... Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est en mouvement, tu vois. Là, il cite l'exemple de Barcela qui vient de nous rejoindre. Dans la version 2016. Et qui rentre dans les morceaux, qui ramène
qui ramène ses intentions, sa manière de faire dans les chansons. Donc c'est pas des chansons immobiles en plus qu'on a créées, tu vois, c'est des espèces de petits machins qui sont ouverts et qui sont ouverts à toutes les éventualités, tu vois. Il se trouve que cet été, et c'est aussi le but du collectif, on n'est pas toujours tous présents parce qu'on a d'autres formations, on a d'autres... Ah, et ça, on l'abordera un petit peu tout à l'heure. Ouais, et ben, le collectif, il y a d'autres, il y a des Barcella, il y a des Franck, il y a des Mike qui arrivent et qui se greffent sur le truc. Qui viennent enrichir le truc, quoi, qui viennent amener leur sauce, quoi. On a besoin les uns des autres, quoi. Yes. C'est j'avais déjà eu une première monture du collectif en 2012, pas forcément avec les mêmes. Où là, effectivement, on reprenait déjà nos morceaux qui existaient. Et quand on a eu l'idée de remonter le collectif, on l'avait déjà en tête depuis un petit moment, mais on se disait, par contre, si on remonte, c'est sûr que là, il faut venir avec des nouvelles chansons, ouais, écrire ensemble, parce que c'est ça qui était vraiment intéressant. C'est, au plus, le travail de coécriture, là, il est hyper intéressant, parce que, comme ils disent, on a des univers complètement différents, mais on va dans la même direction. Et moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant dans l'écriture. Puis il y a le terme collectif. Le collectif, ça ne peut pas être un groupe figé. C'est-à-dire, un collectif, il est en perpétuel mouvement. C'est comme une association, si tu veux. C'est cette rotation qui est hyper importante. Que Barcella vienne cette année, Mike, Sergent, etc. J'espère que la formule d'après, il y aura encore ces gens-là, mais encore d'autres, et que ça tourne. Et que les piliers de maintenant seront plus les piliers de demain, mais les nouveaux d'aujourd'hui seront les piliers de demain, et ça s'échange. Et aussi aller vers de la fraîcheur, des tout jeunes qu'on aime beaucoup, des nouveaux chanteurs. Il y a plein de gens qu'on croise en festival et des chanteurs qui ont vraiment du talent, et on n'est pas figé à ce qu'on fait nous, ni notre génération, etc. Tout le monde est bienvenu. Dès l'instant où tu colles à notre univers et ça colle avec nous, humainement, musicalement. Et puis il y a l'idée de... Ça pouvait pas forcément être un morceau qui va ressembler à un groupe qui fait partie du collectif. Finalement, l'idée, moi je suis arrivé après, mais l'idée elle était magique de dire bah non, il faut faire des nouveaux morceaux parce que finalement ce sera une entité à part. Ouais, c'est ça. Ce sera votre projet à vous tous. Voilà. Et c'est un groupe en fait. C'est déjà un autre style musical qui est composé, métissé à partir de tous les styles qui sont. Abordé dans entre Massilia, le pied de la pompe, il y a de tout, quoi. Que d'humanité, moi je trouve, que de vie là-dedans. Et justement, donc qu'est-ce qu'on gagne avec l'âge pour créer ce type de choses? Un peu plus du SMIG. Et ouais, d'accord, c'est ce qu'on appelle l'artiste populaire. Ce que tu gagnes, c'est bien d'écrire des chansons qui sont simples, épurées, faciles d'accès. Enfin, il n'y a pas grand chose à expliquer, tu vois. Pour le Vivant, c'était une chanson que j'avais écrit au départ avec Guise, etc. On avait fait ça pour le don d'organes pour la Croix-Rouge. Oui. Et ils voulaient reprendre une chanson qu'on avait dans un album qui était hyper triste. Et on disait, si vous en faites une compile pour la Croix-Rouge, autant faire quelque chose qui soit vivant. Et on est parti de cette idée-là. On était dans l'Est de la France, ce jour-là, je crois. Et on a dit, quitte à faire quelque chose pour la Croix-Rouge, on va faire quelque chose de vivant pour ceux qui l'écoutent. Oh, c'est beau, ça. Et en fait, on a encore de l'humanité, hein. Mourad, Gary, etc. Ouais. Puis on a fait la chanson, puis on s'est dit, on va appeler Gary et tout, on va faire l'album. C'est ça. C'est cette chanson qui a déclenché un peu tout le truc. C'est une chanson qu'on a chantée. Et on est le 13 novembre dernier, on était sur scène au moment où il y a eu les attentats au Bataclan. Et ouais. C'est vrai que elle résonne particulièrement depuis, en fait. Il y a quelque chose qui résonnait chez les gens peut-être avant dans cette chanson, parce que c'est vrai que ça a été un morceau très fédérateur du public, mais on l'a senti peut-être nous après aussi. Et c'est vrai que c'est un morceau qui est particulier, qui donne un souffle, il y a quelque chose qui l'habite. Et c'est vrai que forcément, on chante ce genre de choses, c'est léger. Et c'est habité, en fait. Bah justement, alors là, ça me fait une super transition. J'ai l'impression que... C'est cadeau. Merci Tyranno. Ça fait deux cadeaux, jamais 203. On attend le prochain. J'ai l'impression, en tout cas... Hein, quoi ? Non, il est très bon en transition. Ah ouais, bah je vois ça. Bah, la prochaine fois, tu pourras venir faire de la radio avec nous. On a peut-être des petits projets en commun, d'ailleurs. On en parlera tout à l'heure. En tout cas, moi, j'ai l'impression que ce qui se dégage de tout ça, de quand vous retrouvez tous ensemble, c'est qu'il y a un truc peut-être un peu mystique. Alors, c'est pour ça que je disais que c'était une super transition. On le voit sur vos vidéos. Quand vous mettez autour d'une table et que ça joue, il y a un truc qui se dégage. C'est quoi ? C'est le plaisir de chanter ensemble ? C'est quoi ? C'est ça. C'est l'esprit de famille. Comme quand il y a une communion et que tu sors une guitare et que tout le monde chante, quoi. Puis sur faire du bien au public, il faut qu'on se fasse du bien à nous aussi, tu vois. Et donc il y a cette dimension du plaisir partagé, que chaque fois qu'on est ensemble, on le cultive aussi, ça. Et on se rend compte, en tout cas pour ma part, mais pour les autres aussi, parce que ça a donné beaucoup d'idées pour nos projets respectifs, là, depuis un an.
ça bosse à fond, on écrit tous des chansons et tout. Pourquoi ? Parce qu'on a baigné dans un truc qui est positif et qui va de l'avant, quoi. Voilà. Et oui, oui, non, mais ça se, que ça du se bonheur, sent, ce quoi. Plaisir de jouer autour de la table, d'être avec les copains, de chanter. Parce que c'est marrant. Par exemple, avec le Massilia, ça a fait. Il y a eu pas mal de projets solo qui en sont partis en 2007, tout ça. Et là, vous, c'est la démarche inverse, en fait. Vous vous retrouvez, comment c'est possible de faire exister autant d'ego au même endroit, quoi. D'ego à succès. C'est vrai que, ouais. C'est justement, t'as des artistes qui sont des boules d'ego, là, c'est pas le cas. C'est ça. C'est collectif, c'est au service de quelque chose. Tu peux pas arriver dans le collectif avec beaucoup d'ego. Non. C'est compliqué. Il n'y a pas de leader. Ni dans les musiciens. Que ce soit avec les musiciens, les techniciens, etc. Il y a tellement de chanteurs que ton ego, tu le ranges dans son fly et tu le laisses dans le camion. On n'a pas de quotidien à gérer, ce qui visse un peu les vieux groupes. C'est le quotidien. J'ai presque plus été avec mes collègues de Massilia qu'avec ma femme ma vie. Quoi, tu vois, clair, je pense même plus. Tu vois. Ça, c'est les poteaux. Donc là, on se rejoint que pour du bon. Donc on n'a pas ces non-dits, ces machins de la vie de couple. Quoi. En fait, il n'y a que des couples illégitimes. Là, voilà, c'est que des amants et des maîtresses. Et ben justement, on va voir un peu ce que ça donne parce qu'on va s'écouter quand même un deuxième titre histoire de rythmer tout ça. Pas tout de suite, Jérôme, attends un petit moment, attends que je te fais signe, et on est parti, hein, on se voit un petit jingle quand même. Nous sommes en compagnie du collectif 13, tu les entends derrière qui chuchotent, ils vont te braquer les tympans, ça y est, je l'ai ma phrase avec son titre Nouveau Gangster. Moi j'aimerais savoir c'est quoi Nouveau Gangster, je connais pas. C'est quoi le style de cette chanson, pour une petite introduction comme ça pour ceux qui vont écouter ça. Thug Life. Débrouille-toi. C'est ça. Alors c'est cadeau, c'est je sais pas si celle-là c'est cadeau. Y a pas quelque chose pour compléter? Tu vas voir. Eh ben on va voir ça. Encore un petit jingle. De nous des gangsters si on balance des flous trop populaires, ça ne fera pas de nous des danseurs si tu nous vois danser avec ta sœur. Si c'est pas ton style, si t'as pas la classe, toi, si tu préfères le Gucci, si c'est trop surprise, ne te retourne pas. Non, on est les dingues, les ambianceurs. On peut chanter cette chanson avec les mots de ta sœur. On est les loués, on est les poids, y'a rien que pour toi. Écoute ça, on fait ça. On est les dingues, les ambianceurs. On peut chanter avec les mots de ta sœur, on est les loués, on est les rois. Et rien que pour toi, écoute ça, on met ça comme des dingues. Dingue, psychopathe au cabal, et puis public numéro 1, on fait la une du journal. On est des ouf, mais pas peur, on veut le beurre, l'argent du beurre. On vient braquer le net sous l'or et faire chialer les plombeurs. On est les dingues, laisse faire ce con du style. L'art et la manière de foutre ta soirée en pagaille. On est les boss, on est les rois, les noms de rois, les douceurs. On est de ceux qui m'a pécho le numéro de ta sœur. On est les dingues, des ambianceurs. On peut chanter cette chanson avec les mots de ta sœur. On est les loups, on est les proies. Et rien que pour toi, écoute ça, on met ça. On est les dingues, des ambianceurs. On peut chanter cette chanson avec les mots de ta sœur. On est les loups, on est les proies. Et rien que pour toi, écoute ça, on met ça comme des dingues. Wow. Je suis un rapide et pas souris, je suis un petit filou. Aristocrate et pacotille, je griffe les villes en mine. Si l'un d'entre me défie, j'esquive tranquille le cube. Habile en magicien de rime, appelle-moi Barcezis. Triste mélophile, petit nori au micro. Même si à trois font six sous, je vous vague aussi tous. Boute pas mon loulou, fais-y des poutous poutous. Me regarde pas chelou, je t'ai pas volé ton doudou. Trop de débiles, des balles, des bols, des rimes de barque. Je vous déblâme dans le flow des bits. T'envoie les tapis, tu n'encres des débiles, pas l'encre dans les bitches. L'art du flow habile, c'est pour le clown qui brille. On braille les clowns, on manque de style. On est les dingues, les ambianceurs. On peut chanter cette chanson avec les mots de ta sœur. On est loués, on est des proies. Et rien que pour toi, écoute ça, on met ça. On est les dingues, les ambianceurs. On peut chanter cette chanson avec les mots de ta sœur. On est les loués, on est des proies. Et rien que pour toi, écoute ça, on met ça comme des dingues.
Cousin, bien ou bien, pas d'alternative, ça boulègue, allez, viens. Oh cousin, bien ou bien, on a tout ce qu'il te faut pour que tu zappes tout. Du bonheur, des couleurs, de la vie, de l'être là, ici c'est le bien. Du bonheur, des couleurs, faites du bruit. On est des dingues, des ambianceurs, on peut chanter cette chanson avec les mots de ta sœur. On est des loups, ouais, on est des proies. Rien que pour toi, écoute ça, on met ça. On est des dingues, des ambianceurs. On peut chanter cette chanson avec les mots de ta sœur. On est des loups, ouais, on est des proies. Rien que pour toi, écoute ça, on met ça. C'était le collectif 13 pour les acoustiques. C'était trop bon les gars. J'ai pris mon pied. Alors ça, là on la sent l'énergie, le truc mystique dont on parlait tout à l'heure. Là on la sent. Vous avez envoyé la gouache sur la démarche artistique, humaine. Bon, on a déjà un peu parlé, mais je crois que Thomas il voudrait revenir dessus. Alors je te laisse la parole. Ouais, toujours, et j'ai toujours quelque chose à dire parce que moi vous avez tous en commun d'avoir un solide CV en fait. Moi pour moi vous êtes un peu comme des vieux sages de la musique. Hein. Je suis peut-être un jeune con, c'est pour ça, hein, parce que ça se sent dans les textes. L'écriture est positive, apaisée, revendicative, mais pas trop. Qu'est-ce que vous en pensez ? Merci. C'est pas mal. Non, mais on vit une époque qui est pas neutre en ce moment. C'est vrai. Faire des chansons, ça demande peut-être plus de réflexion qu'il y a une dizaine d'années. On fait de la musique qui emplit les gens, la musique positive, on est là pour faire danser les gens, etc. Après, l'époque, elle est ce qu'elle est, donc évidemment que je pense que ça se sent aussi à un moment donné de temps en temps dans certaines prises de parti, tu vois. Mais on a quand même cette volonté de rassembler, cette volonté de recréer ces deux heures où on va lâcher, où on va oublier les titres de la radio, des journaux, etc. Et on va un peu se rapprocher, se sentir, se coller, être serré un peu les uns avec les autres. On va dans le public pour ça aussi, chanter au milieu des gens. Vous aimez avoir chaud, quoi. On est content aussi de chanter entre nous, donc on a aussi une grande joie, nous, sur scène, d'être là, qui se transmet avec le public. Et c'est ça, comme Cyrano écrit très bien dans une de ses chansons, c'est donner ce frisson, quoi. Les yeux qui brillent, de faire une osmose entre le public et nous, et de les amener dans notre fête. C'est ça, ça se sent en laissant autant de place à la voix, en fait, sur vos voix, là, vos harmonies, là. Du coup, ça se ressent pas mal, ça, ce plaisir-là. Ce plaisir, et puis le plaisir d'être ensemble. Et aussi, et de le partager, aussi, quoi. Allégé, parce que il y a forcément une sorte de compromis qui est fait de chacun, puisque, par exemple, Ali, qui entame une tournée avec Hors d'œuvre, qui fait partie du collectif. Ouais, voilà, on en parlait tout à l'heure. Il y a des textes qui sont beaucoup plus revendicatifs, par exemple, et tout le monde n'est pas forcément d'accord au sein du collectif, tout le monde n'est pas, il y a des sensibilités, c'est normal, on est nombreux, et voilà. C'est ça l'humanité aussi, hein. En fait, ce qui est intéressant, peut-être, c'est le fait que, de par nos origines, nos cultures, nos parcours musicaux, nos parcours de vie, nos âges, nos origines sociales. En fait, on est juste une sorte d'allégorie du vivre ensemble. Ouais, c'est beau ça, c'est cadeau aussi. Hein, ça, c'est cadeau. Ça, tu peux le ressortir en soirée. Moi, j'ai un groupe avec les copains au début, et je vois, c'est un bordel pas possible dès que chacun y met de sa touche. Enfin, ça apporte, mais c'est le bordel. Et pour être plus technique, moi, je me demande comment vous arrivez à un produit fini avec plus de 10 musiciens, DJ qui déchire. En plus, vous avez rajouté Marcella, comme si ça suffisait pas au slam. Je pense que c'est l'intérêt de ce type de projet, en fait. Et puis, avec les parcours qu'on a chacun, c'est l'idée à un moment de réussir à s'écouter. Ouais. Moi, ça me rappelle un peu, à 14 piges, on a tous eu un djembé. Et à la fête de la musique, tout le monde venait avec son rythme. Personne ne s'écoutait. Et t'avais un espèce de joyeux bordel, mais qui n'était pas musical. Ouais, et là, je pense que maintenant qu'on a tous détourné machin, moi, ça me fait plaisir de me retourner vers le travail du DJ, qui est un travail que je connais bien. Mais je vois sur Hors d'œuvre vraiment qui scratch, il fait des trucs assez folichons. D'aller écouter des solos de guitare, on a un bassiste qui a son groove, qui a son truc. Ouais, champion de France ou même champion du monde, je sais plus ce qu'il avait fait. Champion du monde. Champion du monde, il a un joli CV. Ouais. Écouter un peu les copains.
pas en parler, de laisser une respiration et de laisser une grande place aussi dans les morceaux aux gens qui viennent réinterpréter et se familiariser avec ces chansons-là. Finalement, l'essentiel d'une chanson, c'est qu'elle voyage et qu'elle devienne la tienne ou celle de ceux qui nous écoutent. C'est une volonté commune. Donc à un moment, laisser respirer ça, c'est l'une des plus belles phrases. C'est quand ta chanson ne t'appartient plus et qu'elle dépasse les frontières de ta cuisine, là où tu l'as écrit avec ton café. Voilà. C'est, moi, en tout cas, c'est ce que j'y trouve. Ouais, puis c'est même la venue de Barcelona, c'est ça aussi, c'est que le moment où il vient avec nous, il faut qu'il se fasse son petit trou, sa petite place, et qu'il se sente à l'aise, et qu'il se sente respiré, et qu'il se sente important aussi, que ce soit, qu'il sente qu'il y a ouais, qu'il ait sa place, ouais. Ouais. On n'est pas là pour l'enterrer, du coup il est là aussi pour nous amener de la fraîcheur et nous amener des trucs et exprime-toi là où tu veux, on est là pour bien vivre ensemble, amène tout ce que tu veux, après on fera des choix en fonction des gars qui viennent, etc. Mais une grande écoute de tout le monde fait attention à tout le monde. Même ça, en chantant, c'est beau, ça se voit, même lui laisser la place en fait, oui. Libérer un espace sur lequel Barcella peut se mettre. C'est ça, puis ouais. Les sensibilités sont diverses. Fin... Moi, je pense que je peux apporter la petite touche un peu loufoque, le côté un peu circassien. C'est plus mon école, l'école du cirque. T'as des gens qui ont une école un peu plus street, chanson. Tout le monde vient de son truc. Je pense que t'es aussi assez circassien dans ta manière, Cyrano, toi, de voir les choses. Contorsionniste, c'est toi. Ouais, c'est moi. Ouais. Ah, bah, c'est un peu circassien, ça. Ouais, j'aime bien les contorsionnistes. Ça, c'est peut-être un autre sujet, en fait. T'as un côté chanson traditionnelle. Enfin, le fait de pouvoir te réinterpréter ça à la guitare et à l'accordéon, c'est cool. Yes. C'est l'essence même du truc. Avec le strict minimum de réussir à donner une vibration comme ça, autour d'une tape, c'est chouette. C'est cool. En tout cas, bon, moi j'avais une petite question, mais en fait vous y avez répondu, hein, donc vous avez appris au fur et à mesure des années à jouer ensemble. Et puis, pas tout à fait, parce que en fait on reçoit pas mal de groupes nous régulièrement, d'artistes en Seine-et-Marne, d'artistes locaux, et donc le statut qui revient assez souvent, c'est un statut amateur, semi-pro. Et donc vous avez quand même pas mal d'expérience derrière. Est-ce que c'est du boulot? On dit que c'est naze, bah, tu envoies ta copine. Ouais, c'est ça. Non mais c'est, faut pas hésiter, on bosse. Je pense que tous on est des très gros bosseurs. Voilà. Ah, il y a un vrai investissement, c'est pas seulement on se pointe dans le collectif et puis ouais, bah, on va chanter 2-3 chansons, non, derrière. Tous nos projets. Oui, oui. Ah, moi je parle d'un point de vue juste musical. Donc déjà. C'est Erwan à la basse, ouais. Il y a 2 Erwan aujourd'hui. Ah, il a vu de la lumière et en. Déjà, juste d'un point de vue musical, on apprend déjà. Par le fait de rencontrer des gens qui sont pas d'univers différents, on s'enrichit nous-mêmes. Moi, je viens plus du rock, mais en fait, je découvre que je sais jouer du reggae, alors qu'à la base, c'est quand même pas mon truc. Quoi. Ah, et puis, c'est pas les mêmes rythmiques. Hein. Ah, bah non, mais c'est pas. C'est du contre-temps. Quoi. On est dans l'ouverture, on fait plein de concessions, puis on se rend compte que ces fameuses concessions-là, c'est super facile. De travailler avec les gens. On peut faire jouer. Ouvert les uns vers les autres. Ouais. On peut faire jouer un bluesman à la basse avec un mec qui fait de l'accordéon traditionnel, un DJ et un métalleux. Le métalleux. C'est qui le métalleux? Fred à la guitare. De Lenovan Innocent. Ah oui, d'accord. Ouais, ok, ok. Et ça marche très bien. Mais de toute façon, chaque travail, une œuvre artistique, elle est toujours là pour créer du lien. Donc si nous, on n'arrive pas à s'écouter en créant entre nous, alors que c'est notre taf, c'est ce qu'on fait depuis 10, 15, 20 ans. Je veux dire, c'est à nous déjà de commencer à trouver cette souplesse-là pour amener les gens. On revient à la souplesse. De ça. Spécial dédicace, c'est cadeau pour toi, Cyrano. Ah, mais Cyrano, mais ses jambes derrière sa tête, il fait plein de choses. Tu n'imagines pas. Il lèche son coude, le mec. Il rentre dans un iPod. Il faut laisser un message avant le bip sonore. En tout cas, bon, moi, je voudrais rappeler quand même le cadre, parce que là, on entend des petits bruits dans le micro, etc. On entend du vent. Les acousticiens qui ne nous voient pas, parce qu'on n'a pas la vidéo, on n'est pas encore en web TV, hein, là, c'est la radio. On est quand même tranquillement sur une terrasse à la clé à Saint-Germain-en-Laye. Hein, on est bien ou pas? Ouais. On est pas mal. On a chaud. On a chaud. Ouais, on a chaud. Mais de toute façon, on le savait que vous étiez chaleureux, les gars. Sans transition. Alors moi, j'ai un péché mignon. C'est la chanson française, hein. Plutôt avec des textes, quoi. Parfois, je me lève la nuit en cachette pour m'en remettre une dose. Pourtant, je me force. Hein. J'écoute de l'électro, des albums. De Booba, j'ai encore du mal, quoi. Il y a pas mal de plumes en fait dans ce groupe. Moi, je pense à Gizmo, à Gary, Mourad aussi qui écrivait avec Florent, Jérôme. Je crois savoir que vous êtes tous du coup les pères des chansons du collectif. On est tous auteurs. Comment c'est tous auteurs, compositeurs, interprètes. Comment ça se passe? Comment on écrit à... Ben oui, donc vous écrivez, oui.
Comment c'est possible ça d'écrire à plusieurs, ça me... Parce que ouais, tu disais tout à l'heure que ça se faisait pas mal par internet, mais ouais, mais ça... c'est dissertation, un sujet. Et... voilà, c'est ça, et tout le monde y va. À l'ancienne, t'as quelqu'un qui propose une chanson, si tu veux, on va dire le Jérôme propose une chanson, on va dire voilà, c'est la métrique, c'est tels accords, j'ai le refrain, il vous plaît pas, et il y a de la place pour les couplets. Donc soit tu reprends ce qu'il a déjà écrit parce que belle plume, parce qu'il a trouvé l'émotion, que c'était juste, etc. Et tu voilà, tu trahis pas ce qu'il a fait, soit tu te laisses une liberté perso pour réinventer ton univers à l'intérieur de sa chanson. Yes. Après la première fois que tu la joues en live, tu vas changer deux mots, trois phrases, parce que dans le flow, dans l'énergie du machin, ça coulera mieux, tout ça. Et du coup, ouais, ça se cisèle. C'est volatile, ça, la chanson. Ouais. C'est une espèce de polaroïde de la chanson. Alors, évidemment, il y a toujours quelqu'un qui porte un peu le prémisse, tu sais, qui allume la mèche. Tout à fait. Mais après, quand il faut finir, qu'il faut s'asseoir tous autour de la table pour finir les deux derniers couplets, que tu es en Bretagne au soleil, c'est très enivrant, ces moments-là. Tu vois. Mais c'est souvent pour finaliser qu'on fait ça. Il faut être aussi intelligent pour des fois se dire. Bah, le morceau, je le trouve super, mais je me sens pas à l'aise dedans. Enfin, sur celui-là, je vais pas chanter. Oui, oui. Je vais vous laisser. Ah oui, oui. C'est bien. Ça qui est... Bon, c'est pas parce qu'on est nombreux que tout le monde doit chanter absolument à chaque fois dessus. Guy avait fait un morceau une fois comme ça où c'était compliqué. Le morceau était bien, c'était compliqué de chanter dessus. C'est pas grave, on va le garder comme ça. Il y a des chansons où Gary est très fort, mais on va pas faire. Lui, il a un flow débile. Lui, c'est Ali. Ouais. Voilà, Ali, on va pas. Il soit la star du rap, on sait que c'est son truc, et puis ça parle d'un personnage qui est lui, on peut pas chanter autre chose. Ouais, donc vous avez chacun vos créneaux et puis vous... pour pas casser l'histoire de la chanson qui a été faite aussi des fois. D'accord, et justement par rapport à ce que vous exprimez plutôt par rapport à vos textes et votre style musical, là ce soir vous allez jouer avec Christian Olivier, hein, la voix des Tetraeds, ce soir à la clé. Vous avez quoi de commun avec lui en fait? Pour l'éloge, vous, selon vous. L'éloge du parc. Non, ce qu'on disait au début, une vision du métier, une vision de la fonction de chanteur, de la fonction de chansonnier, tu sais. Christian, c'est un punk. Christian, c'est un punk qui s'est approprié les codes de la chanson française pour la réinventer. On fait rien d'autre avec Massilia. C'est pareil, c'est exactement la même chose. Il y a le tempo, un peu le look qui change, quoi. Mais le fond est le même. Le fond est le même. Et les valeurs? Je sais pas. C'est vraiment d'humanisme, ces valeurs aussi de regard sur la musique populaire, sur le Christian, c'est en plus lui qui a été porte-étendard des chaos sociaux, des trucs comme ça, qui est très militant, tout ça. Comme on peut l'être dans notre vie de tous les jours. Il n'y a pas de tiroir en fait. C'est pour ça, c'est une histoire de ressenti, c'est exactement ce qu'on voulait avoir. Ça. Parce que c'est très français finalement, on a besoin nous de mettre des étiquettes. Et puis moi je viens du hip-hop, Ali, Barcella, pas mal quand même. On a des flows, des manières. Parce que c'est notre époque, on est le baromètre d'une époque, l'inspiration. Ah, la basse, c'est la thug life. Allez, on s'enchaîne sur une petite session musicale juste après le jingle et une petite présentation, Jérôme. Je t'ai à l'œil. Et là, c'est... Donc on s'offre une session en acoustique et au soleil avec le collectif 13 qui va nous jouer Madame la Marquise. Jérôme, il n'y aurait pas un petit message derrière, enfin pas que Jérôme, ensemble, un petit message derrière Madame la Marquise, j'aimerais savoir moi. Gary. Un petit message à Madame la Marquise, voilà, c'est une chanson qu'on a écrit il y a un an ou deux. Voilà, qui est baigné par l'époque, qui est ce ressenti de comment on se situe dans ce flot de bad news, dans ce flot de murs qu'on érige, et puis c'est un éternel, tu as l'impression que c'est un éternel recommencement, tu vois, on a l'impression qu'on est un peu au Moyen-Âge, qu'on est les serfs, qu'il y a les seigneurs qui nous regardent d'en haut. Les vilains. Et nous on essaye de faire notre place là-dedans. Ouais, c'est pas mal. Allez, on zappe maintenant sur Madame la Marquise en acoustique avec le collectif 13, juste après le jingle. C'est comme ça qu'on l'aime. Dès qu'il sera parti le jingle. Et puis s'il veut pas partir, eh ben. Là, il part. C'est la technique, c'est le live. C'est parti.
actif au soleil pour chanter la marquise. Parce que là, c'est pas pareil. Cette chanson est exquise. Cette chanson parle de la vie. De la vie qu'on mène au pays. À Paris. Cette chanson parle aussi de Paris. Dédicace à tous ceux qui sont debout à Paris d'ailleurs. Allez, ouais. Yeah. Quand le bousin te tue, que le foin désactue, irakise les convictions et mongolise l'opinion. Quand la crise se les brise, elle sonorise, coupe le son, tire la prise. Quand le 20 heures hypnotise les morts vivants, emballe la matière grise et facialise ses clients. Immunise-toi, autonomise. Tape tout, taxe comprise, tout va très bien, madame la marquise. Tout va très bien, tout va très bien, tout va très bien, madame la marquise. Tout va très bien, tout va très bien. Quand le pays gueule d'effroi au Pôle emploi, que l'on n'entend qu'une seule voix qui aboie, que la France hurle à la mort agonise. Balise, se divise, s'enlise dans la mouise, soumise aux marchandises d'une économie tourbise qui se noie comme Venise. Alors harmonise, lâche prise, cultive la fémarise, maîtrise la pénalise. Libère-toi de toute emprise. Tout va très bien, madame la marquise. Tout va très bien, tout va très bien. Tout va très bien, madame la marquise. Tout va très bien, tout va très bien. Écoute ça, madame la marquise, tu ne me connais pas. Je suis la face de l'entreprise, les petites mains, les petits bras. C'est moi qui remplis les valises de tes vacances à nous couva. Mais moi j'ai changé la devise et je vise des vacances pour moi. Cantonne les beuglantes des entreprises, que ta banque joue la banquise. Que la bourse te crie rembourse la mise. Place un silence qui mémorise. Tout va très bien. Écoute ce qui passe. Tout va très bien. Ma vie qui rêvasse. Tout va très bien. La mouche qui vole. La nature et ses godillards. Tout va très bien. Le silence qui t'éternise. Tout va très bien. Écoute Brel qui devise. Tout va très bien. Vois-tu que je te dis, j'ai mis un épargne de mise aux marquises. Tout va très bien. Yeah. C'était le Collectif 13 pour les acoustiques. Alors maintenant les gars, on vous réserve une petite surprise, c'est notre petite spécialité à nous dans les acoustiques. On l'a appelé le Coustic Quiz. Alors maintenant attention, on va vous expliquer les petites règles du Coustic Quiz. On a même fait un petit jingle pour le Coustic Quiz. Des bâtonnets de poisson. Pas mal. Mais non, c'est pas ça. Le Coustic Quiz, on vous explique les règles. Tu valides, bah allez. Le Coustic Quiz, en fait, il y a entre 1 et 13 questions. Ça vous va bien? Hein? Vous choisissez un numéro, chacun un numéro, et puis vous tomberez sur une question, puis on verra bien qui arrive. Ah ouais. Ça vous va? Allez. Allez, on est parti. On passe de gauche à droite, de gauche à droite, de droite à gauche. Qui commence? Allez, Erwan, à toi de commencer. Un numéro entre 1 et 13, s'il te plaît. 13. J'étais sûr. Ah bah ouais. Obligé. Votre pire et votre meilleur moment ensemble, s'il te plaît. Ce serait quoi? Alors, eh ben, le pire, il n'y en a pas des masses, mais le très mauvais souvenir, c'est ce fameux 13 novembre. Tout s'écroulait, on sortait de scène, on n'était pas au courant, on en parlait encore hier d'ailleurs. On a fait le concert, des gens étaient déjà au courant de ce qui se passait. On jouait au Moloko à Audincourt. Ah ouais. Et
on nous regardait un peu bizarrement du côté de la scène ou autre, on savait pas ce qui se passait. On sort de scène à minuit et quart et on nous annonce le truc. Et c'était la descente aux enfers. Voilà. Ouais. Ça, c'est le pire souvenir. Parce que sinon, sur scène, entre nous, il n'y en a pas des mauvais souvenirs. Tout se passe bien. Et pour moi, le meilleur souvenir, il y en aura peut-être deux, mais c'est le premier concert. Ah ouais, la dose d'adrénaline, de plaisir. C'était le 13 mars de l'année dernière, le premier concert au Criart, à Hoche. À Hoche, ah ouais, dans le sud. On se découvrait face à un public pour la première fois, on jouait ensemble. Ah ouais. Et c'était plein d'émotions. Voilà. Une des grosses surprises de fin de concert avec une émotion qui déborde même un petit peu. C'était, ah, ça, c'est magnifique. Super souvenir. Voilà, le premier. Il y a eu une rencontre, quoi. Voilà. Ah ouais, j'en ai pas la larme à l'œil, mais... Ah, ouais, ah non, mais je sens que c'était un... ménage, hein. C'est bon, t'as les lunettes de soleil, tu peux pleurer. Bon, allez, on passe à Max maintenant. Ah, je vais prendre un numéro 4, Juan, s'il vous plaît. Numéro 4. Alors, la ZIC sur les routes, est-ce que c'est compatible avec la vie de famille? T'as eu un petit aperçu tout à l'heure avec Gary. Bonne question. Les plannings familiales sont chargés. Je pense qu'il faut trouver la bonne personne. Une fois que tu l'as gaulé, faut la garder. Ouais. Ouais, c'est ça qui est chaud. C'est ça qui est chaud. Ouais. Donc, ok. Donc, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Ok. Vas-y, vas-y. Alors, ben on continue. Hein. Vas-y, Cyrano. C'est à toi de jouer. Numéro 7. Numéro 7. Oh bah alors, le petit portrait chinois, je crois que ça s'appelle comme ça. Si tu étais toi ou le groupe, attention, tu parles au nom du groupe, sinon un animal, vous seriez quoi ou tu serais quoi? Une hydre. Alors j'aimerais la petite explication qui va avec. Bah, c'est un animal mythologique qui a plusieurs têtes. Ah, très bon, très bon, très bon, très bon. Ah, c'est vrai que là-dessus. Bon, ben voilà, j'ai révisé ma mythologie grâce à toi, Cyrano. Je te remercie. Ah, bah, toi, Gary. Alors, numéro entre 1 et 13. Le 9. Alors, le 9. Oh là, je te laisse la poser, Thomas. Elle est en espagnol. C'est ça. On est descendu un peu trop possible. Hein. Alors, c'est des questions forestières. Hein, la plume. Si vous étiez. Ah, 13, 9. Ah oui, oui, d'accord. Une femme dans le groupe, est-ce un facteur de discorde? Une femme dans le groupe? Une femme. Il n'y a pas de femme dans le groupe, alors on se demandait pourquoi. Non, c'est du hasard, non, je pense pas. Moi, on a eu des filles dans Massilia pendant longtemps. Le manager de Massilia, ça a toujours été une fille dans le bus avec nous. Ah, bah déjà, oui. Si, non, non. Il se trouve que. Ouais, c'est un peu le hasard. Moi ça me déplairait pas. On a failli avoir Carimouche. Ouais, Carimouche ou une batteuse, ouais. Ou, tu vois. Un bonhomme, Prince, quoi, tu vois, Prince, c'est que des meufs dans son groupe. Hein. Pas de prise de tête aussi, de ce côté-là. Ouais. Non, non, mais c'était juste pour essayer de soulever. Voilà, après voilà, c'est les circonstances. Une copine comme Flavia, elle pourrait très bien venir dans le collectif. Carimouche, il y a peu. Après voilà, c'est un peu les circonstances. Ah bah voilà. Il n'est pas là. Voilà, bah c'est lancé, au moins on le sait maintenant, c'est cool. Allez, on continue avec Barcella. Donc le 11. Le 11. Je te laisse, Thomas. Si vous étiez un grand homme, qui seriez-vous? Un grand homme politique. Ah, tu... Ou un grand homme, hein. Un grand homme, allez, soyons fous. Un homme célèbre politique. Ouais, alors, ce qui te représente ou vous représente le mieux. Césarien Évora. Hey, allez, pourquoi c'est allez, tourne, allez, roule. Césarien Évora, ouais. Voilà, d'accord. Et pourquoi j'avance d'une case. Je rejoue chacun, je te dis direct. Camembert rose. Jérôme. Ouais, je prends le 12. Tu prends le 12. Ah. Avant un concert, il vaut mieux boire un coup, tirer une taf ou tirer sa femme? Boire un coup, il vaut mieux quoi? Il faut... jamais sa femme avant un concert. Et non, c'est pas bon. Les gens. C'est ça. C'est bien connu. Puis on fume pas et on boit pas dans le groupe, donc du coup. Non, c'est vrai. C'est aussi, c'est bien connu. Avec l'adrénaline, c'est par contre, pendant le concert, ouais. Tirer sa femme pendant le concert, d'accord. Faut avoir fait du balut. Prends note. C'est des années pratiques à faire. T'entraînes.
Non mais tu sens que c'est complètement différente, mais j'avais que le début. Réponds quand même à la question. Je sais pas, moi j'aime bien fumer, boire, enfin, tout ce qui. Oui, enfin un peu les trois en même temps. Allez, soyons fous. On sait que vous aimez un peu tout. On n'est pas tous égaux là-dessus, mais. Oui, bah chacun, vous êtes. Moi, je donne ma part. Moi, ok, merci Cyrano. Allez, on s'en fait une petite dernière avec Ali. Allez, Ali. Ah, je vais prendre la 11. Perdu. Déjà pris. La 11, la réponse. Ouais. Non, la 10. La 10. Alors, est-ce que ça vous dirait de nous faire un petit jingle pour les acoustiques? Ça, tu payes, improvisation, tu vous sortez ce que vous voulez. C'est quoi déjà le nom de la radio? Ah, c'est Radio Lézard. Radio Lézard. Radio Lézard. Comme le lézard au soleil. Ouais. Vas-y. Les acoustiques. Acoustiques. Les acoustiques. Les acoustiques. Les acoustiques. Les acoustiques. Là, c'est pas un jingle, hein. C'est long ton jingle. Et ça pète un jingle de 30 secondes. Les acoustiques. Radio Lézard, t'inquiète pas, ça repousse. Oui, je valide. Ça va très bien, ça va. Je valide. Voilà, t'attends le jingle. C'est presque un single, attention. Ah yes. Ah, vous êtes énormes, les gars. Donc, on va pouvoir s'enchaîner maintenant sur un dernier titre. Hein, Jérôme, tu te calmes. Donc on va s'écouter. Et ben on s'envoie un petit jingle, hein, histoire de poser tout ça. Allez, c'est parti. 4. Alors nous sommes avec le collectif 13 toujours, ouais, qui ouais, voilà, on les entend, ils sont nombreux derrière. Ils vont nous faire alors vibrer, on sait pas, on va voir. Alors a priori c'est la petite chanson bonus improvisée, je ne sais pas ce qu'on va avoir. Il s'agit de quoi? C'est une chanson qui s'intitule Mixtape. Allez, justement, une réappropriation pour le coup. Là, je ramène ma petite chanson, ils ont créé leur espace. On a trouvé un refrain collectif à la bonne franquette. Alors, une petite création de Barcella au départ, repris par le collectif 13. On va voir ce que ça donne, le travail en groupe autour d'une création de quelqu'un. Eh ben, je vous propose de partir. À toi qui nous écoutes sur Radio Lézard, mon bel ami, laisse-moi te présenter le premier invité de cette petite chanson. Mais on va d'abord te faire écouter le refrain, c'est facile à chanter maintenant. Ah la bonne franquette, mets-toi bien à l'aise, sorte sa rantaise, c'est le collectif 13, 13. Ah la bonne franquette, mets-toi bien à l'aise, lève ta main en l'air, c'est le collectif 13, 13. Il nous vient tout droit de sa montagne natale, où il a été élevé par des ours polaires, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Vous ne le voyez pas, mais vous l'entendez ici même à ma gauche. Il s'appelle Ali pour vous servir, A-L-I, c'est à toi, roulez. Vas-y dans l'oreille, n'aie pas peur, je n'ai pas le profil d'un serial killer. Même si au match je suis Jack l'éventreur, t'inquiète, t'inquiète, je fais le taf en douceur. Prends en la grêle, copie ma copie. Et ma tape comme on les mots, mal, je les manie. Tu veux de la folie, du fond et de la forme. Tu sors la manitoum pour un peu de folklore. Qu'est-ce que je kire, mec, capi sur rec. J'ai maté les mixtapes depuis l'époque de la crête. J'ai rappé sans déraper, dépassé les boîtes du passé. Sans forcer sur mon flow et j'ai filé sans même signer. Même pas la peine, car mon nom tu le connais. Avec double E depuis l'époque de ciné. J'ai fait le feu à la foule, de la folie dans mon flow et des baffes pour les c'est Ali, yeah. À la belle franquette, mets-toi bien à l'aise. Sors tes charentaises, c'est collectif 13. À la bonne franquette, mets-toi bien à l'aise. Lève ta main en l'air, c'est le collectif 13. Personnellement, il nous vient du Loir-et-Cher où il a grandi avec des loutres, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. C'est le numéro 2 sur la liste. Il vit aussi avec des animaux sauvages de temps à autre. Faites un tonnerre d'applaudissements dans votre voiture pour monsieur Cyrano, s'il vous plaît, roulez. Vous entendez le grondement des rues, le pavé qui murmure et qui grogne car il adhère à la rumeur. Et vous sentez la peur parcourir chaque guerre. Sentez-vous tressaillir vos muscles de mauvaise humeur. Chaque seconde qui meurt vient s'accumuler, le stress grossit la tumeur. Cette nuit on fait s'effondrer les fondements dans l'euphorie et la foule déverse la folie. On se lâche pas souvent, y'a rien à faire sinon suivre le mouvement. On peut tout laisser aller, s'oublier tant que la fanfare martèle et force à part à la râler. On va transpirer, c'est pas compliqué, on va laisser l'instinct nous inspirer. Profiter de l'air pollué qu'on a la chance de respirer. Cyrano, à la bonne franquette, mets-toi bien à l'aise. Sortez charentaise, c'est le collectif 13. À la bonne franquette, mets-toi bien à l'aise. Lève ton main en l'air, c'est le collectif 13. Ok, on a tous un petit côté massif, il y a Sun System en nous. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il est avec nous cet après-midi en ce soleil, ce cagnard qui tape sur Radio Lézard, ici même à ma droite. S'il vous plaît, il s'appelle Mister Gary. Roulez. Je mets le Y sur Radio Lézard.
je mets le why. Y a pas de lézard, je mets le why. Ce n'est pas bizarre, je mets le why sur Radio Lézard. On met le why sur Radio Lézard. On met le why, ce n'est pas bizarre. À la bonne franquette, mets-toi bien à l'aise. Sors tes charentaises, c'est le collectif fraise. À la bonne franquette, mets-toi bien à l'aise. Lève ta main en l'air, c'est le collectif 13. Je ne peux pas vous présenter tout le monde, ça n'est pas possible. Mais il est à la guitare cet après-midi. Lui-même, c'est un membre du pied de la pompe. Et on a tous un petit côté le pied de la pompe, effectivement. Mais non, tu ne veux pas le faire hein. Pourquoi c'est trop rapide pour toi? Fais-le à ton rythme, Jérôme. Voilà. Alors si tu nous écoutais sur l'autoroute, là tu ne ralentis pas pour autant. Garde ton 110. Allez, fais-nous rêver, trouve-nous des mots qui embellissent. Je suis cool. Il est cool. Tu sais ma vie, c'est cool. Et ma vie c'est cool. Et Termitin tranquille. Et ma vie est cool. Même si le monde c'est cool. Collectif Paris. On est en tournée tout l'été, mon pote. Est-ce que tu es prêt? Les mots, l'idée, mélomane, éliminez, j'élimine, les minots, et vis à les minots, la vie, va la vie, me dire, bougez la vie, de rêver, de sentiments, de lever le niveau des navets. Délibérément, je précise le débat, j'ai pitié, pas mort, depuis le vasec, je rappe au galop. 1, 2, 3, 4, bousiller les poètes, un boulot, j'ai. Dans mon malaison, le billet de jeu, du ballon, dérimé, des balles à foison, le bouffon, en fait, un boulot, on sait. Tu voulais rapper sur la mixtape, pas de galipette, je te le répète, mais crosse ta vie, tout quête. Ce n'est pas la peine, je le vois le gars, tu les valides, tu veux le gars, ça, qui est bon de bousiller, depuis de la gorge, je voulais éditer, le répète, je vends des disques. À la bonne franquette, mets-toi bien à l'aise. Sors des charentaises, c'est le collectif 13. À la bonne franquette, mets-toi bien à l'aise. Lève ta main en l'air, c'est le collectif 13. À la bonne franquette, mets-toi bien à l'aise. Sors des charentaises, c'est le collectif 13. À la bonne franquette, mets-toi bien à l'aise. Lève ta main en l'air, c'est le collectif 13. C'était le collectif 13, vous l'avez bien entendu, ils ont tout déchiré. Pourquoi tu déboîtes, tu colles ton micro? Bon, merci les gars, vous déchirez. Alors, on passe à la dernière partie de l'interview. Je suis désolé, faut pas être trop triste. Hein. On va devoir se quitter un jour. Et puis, on a, en fait, je vous ai dit tout à l'heure, il y avait Songazine qui était là. Songazine, donc en direct, quand ça peut, hein, parce que la connexion, elle fait ce qu'elle peut. Alors, on a donc Jérôme Vaillant. Bienvenue, Jérôme. Oui, bah, écoute, bonjour, merci. Ravi de vous voir sous ce beau soleil. Donc, nous, on est Songazine, un petit webzine. On avait fait la chronique de votre album juste à la sortie et on l'avait beaucoup aimé. Et d'ailleurs, je m'étais cassé la tête pour faire une chronique en employant chaque titre de mot employé dedans. Je m'étais cassé la tête pour penser à vous. C'est joli. Donc super, non, c'est chouette. Et donc, ils ont posé des questions, c'est des cadors, ces gars-là. Moi, j'en avais peut-être une pour vous, peut-être un peu plus politique. J'imagine que ça ne vous a pas échappé, tout ce qui se passe à La République Co. Nuit debout, écoute, donc tu as fait allusion. J'imagine que ça vous touche. Est-ce que vous n'avez pas envie d'aller jeter un coup d'œil là-bas? Vous avez fait un tour? Moi, je suis allé à Marseille, non. C'est déjà voir des gens débattre, parler de politique dans la rue, sur le pavé, se mêler au débat, se sentir capable de se mêler au débat. Ouais. Ouais, on a ce gros problème face aux élites en France qui sont... Tu les as captés? Tu vas voir le Premier ministre en Angleterre ou en Hollande, il a un bureau normal, un immeuble normal. Ici, on est encore dans les ors tout de 2014, etc. Donc on cultive une espèce de rapport à l'élite qui est archi malsaine, donc qui est des gens ne serait-ce qu'ils se sentent capables de débattre, d'avoir des idées, de réfléchir ensemble et tout, c'est merveilleux. Tout à fait. Parce que justement, ce que je me disais, c'est que vos paroles résonnent encore plus. Tu faisais allusion à Vivant, qui après, ça va le 13 novembre, quand tu l'écoutes, forcément, ça te serre le cœur. Mais je pense que beaucoup de choses que vous dites, ça résonne très fort là-dedans. Donc je pense que vous êtes vraiment dans l'air du temps pour ça. Donc c'est super. C'est se réapproprier. Quand on parlait de vivre ensemble tout à l'heure, il y a. C'est la base, en fait. Ça rejoint plein de choses. On fait un métier qui est chanteur, voilà. Et beaucoup de chanteurs oublient de faire de la musique, par exemple. Et c'est la base de notre métier, c'est ça. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement. Et puis finalement, tous ces mouvements, c'est peut-être aussi ça. Les gens se rendent compte qu'il y a besoin d'essentiel. Et voilà, il y a une quête, ou en tout cas une perte de repère, d'identité qui est flagrante et
qui trouve peut-être sa réponse dans le dialogue. Et ça, c'est génial de voir les gens qui finissent par se rencontrer de nouveau. Tout à fait. Puisque voilà, que ça se passe à Paris, dans l'endroit où voilà, tous les gens sont tout gris dans le métro, etc. Métro, boulot, dodo, sortir de ça, se rencontrer, sortir et discuter, dialoguer. Tout à fait. C'est le premier pas de la politique. Qu'il y avait au début de mai 68. Oui. Justement, c'est intéressant. Mais en fait, en plus, le mot collectif, je pense que par rapport à ces gens-là, il résonne encore plus parce que c'est des gens qui pensent collectif, qui essaient d'établir des nouvelles règles, un peu comme vous les faites et vous avez réussi à le faire. Voilà, la différence, c'est que bon, ils sont encore dans une phase, j'imagine, de construction. Alors vous avez déjà du concret et là, vous êtes en mode d'action, vous. Ouais, et en mode réussite. À la fois, nous, on fait des chansons. Quoi. Exactement. Ce qui est déjà important. Hein. Oui, voilà. Tout à fait. Bon, super, super. Donc moi, je ferai après un petit live report, un article qu'on passera. En tout cas, merci à tous d'être là. Et puis vraiment, la clé, on est ravis. Surtout que la clé, la première chose qu'on a écrite sur les murs après le 13 novembre, c'était « Vivre ensemble ». Donc, ah bah voilà. Mais voilà, on l'a écrit sur les murs le lendemain. Et donc voilà, vous faites partie des choses, des valeurs qu'on a en commun avec la clé, hein, éducation populaire, etc. Et genre de gens comme vous qui passaient un super message. Éducation populaire, je valide. Oui. Voilà, bah, merci à vous. Et donc à tout à l'heure, bien sûr, on sera devant la scène au premier rang. Merci. Alors, eh ben, on continue avec des petites questions de Thomas. Hein, donc, on se passe les micros. Génial, on se débrouille. Continue. Et ouais, non, parce qu'on a envie de vous garder encore comme ça. Hein. Mais non, il n'y a plus pour très longtemps. Ouais, vas-y, Barcella, ouais. T'inquiète. J'ai cru qu'on. Peut-être un dernier. On finit la cuisson et puis après, quand ça sonne, ouais. C'est bon. Parce que comme je vous disais, on reçoit pas mal de groupes en fait qui en veulent. En fait, il y a un maillage assez énorme hein, et tout le monde a un peu cette ambition-là de faire les choses sérieusement. Et puis d'aller loin, d'y donner une forme, de jouer devant des gens en fait, tout simplement. Est-ce que vous auriez un conseil à donner aux jeunes qui débutent? Ouais, c'est ça. Crois en tes rêves, va plus loin que l'extrême limite et déshabille-toi. C'est pas trop vite. Ça peut faire le buzz. Ça peut faire le buzz. Non, mais c'est de la rigueur. Tu disais tout à l'heure. Je pense que n'importe quelle personne qui est passionnée par ce qu'il fait, il met de la rigueur. On a du mal à dire c'est un travail, c'en est un. C'est vrai. C'est un travail. Mais on est des gens rigoureux, des passionnés, comme n'importe quelle personne qui travaille le bois, qui fait de l'artisanat, qui fait quelque chose, en le faisant avec passion. Si ça rencontre la sensibilité des autres, c'est fantastique. Donc, après, t'as des gens. Je pense que ça dérape le jour où tu veux vraiment essayer d'en vivre. Moi, j'ai plein de potes qui essayent de vivre de la musique et qui n'y arrivent pas parce que le style musical est délicat. Si tu fais un truc qui est... Nous, on a une musique qui est très populaire, qui est très ouverte. Donc, par rapport à ça, on est quand même peut-être un petit peu plus facilité. Oui. On chante en français. On a, en plus, avec les carrières respectives de chacun, il y avait déjà un espèce de public qui était déjà né, alors que le projet n'existait peut-être pas. Et si tu veux, voilà, ça se fait petit à petit. Mais tant que ça reste une passion et que c'est fait simplement avec le cœur, je pense que t'es dans la bonne route. J'ai plein de potes qui sont profs et qui font quand même 25 concerts par an, donc ils sont pas intermittents, ils sont pas machin, mais ils rencontrent un public, ils jouent quelques compos, pas mal de reprises, et ça reste un plaisir. Mais c'est ce qui a disparu en France, c'est la musique de convivialité. Il y a 50 ans, à la fin des repas, la famille, papa se mettait au piano, accordéon, machin, c'est vrai. Il y avait ce truc de faire de la musique comme on respire. Ce côté Charlie Gals. Au lieu d'aller jouer au bout, on fait de la musique. Ça a disparu, ça. Tu vois. Et ce rapport à la musique, il est essentiel. Maintenant, on m'a cédé, quoi. Ouais, et donc, pour réussir dans la musique, il faut être conscient de ça, je pense. L'humanité dans la musique, conscient de ce plaisir que donne le fait de prendre la guitare, là, au bord dans la nature, de jouer. Il faut absolument rien faire pour les gens. Faut tout faire avec sincérité. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de formule en fait. À partir du moment où on cherche à plaire, c'est mort. C'est ça. En fait, ce que tu dis, c'est qu'il faut garder un rapport sain à ça. C'est même plus que ça. C'est-à-dire que je pense clairement que quand. Enfin, il y a des mots qui sont apparus depuis une quinzaine d'années dans la musique. On parle vraiment de projet. Oui, c'est ça. Donc ça veut dire que presque il y a des groupes qui vont arriver, des artistes qui vont arriver avec quelque chose presque sur papier, déjà clean, avec une image, quelque chose, avant d'avoir du contenu. Et en fait, il faut travailler, avoir quelque chose à dire, quelque chose à proposer, peu importe. Oui, on parle de musique actuelle, on parle de, tu vois, c'est tous ces trucs-là aussi qui... on est dans le pays de l'intermittence aussi, on a le pays où tout est structuré, où il y a des stages dans les cités pour apprendre à jouer, à faire les platines, où tu vas t'inscrire pour te faire coacher par un mec qui va te coacher pour que ton... Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait, ouais. Voilà, d'ailleurs, c'est... Éviter les stages, éviter tout clair. Ça. Quoi. J'enchaîne, Cyrano, je crois que tu as fait une petite vidéo là-dessus sur l'intermittent auprès des jeunes publics, sur un de tes projets perso. Moi je fais beaucoup d'ateliers d'écriture, mais on est je pense, à Barcelone, j'ai vu que tu en as fait il n'y a pas longtemps.
moi, je me nourris aussi de ça. Enfin, moi, je considère, et voilà. Et là, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que tout le monde n'est pas forcément en phase exactement avec ce que chacun pense dans le collectif. Mais pour moi, l'artiste a un rôle social. Ouais. Et on diffuse de la culture parfois là où il y en a plus. Mmh. Et dans les écoles, c'est hyper important parce qu'on vient apporter une autre pédagogie, autre chose, une autre manière de s'exprimer, de mettre en valeur des savoirs, des pratiques. Oui, et des fois, c'est des gamins, l'école qui devrait l'apprendre. Voilà, bien sûr. Voilà, l'école devrait avoir des cours de musicologie. Alors le blues, c'était là. Après, il y a eu le rock, après le machin. Et on ferait des ponts avec l'histoire, la science éco, machin. Donc évidemment qu'il faut mettre des emplâtres sur les manques, quoi, tu vois. Mais il y a un gros souci éducatif, tu vois. Alors les minots, ils compensent maintenant avec le MP3. Ils ont des cultures musicales à 15 ans qui sont hallucinantes. Moi, à 15 ans, j'avais 3 albums. Donc, mais ça, c'est important de l'apprendre à l'école. Ça. Et pour moi, il y a la musique, mais il y a aussi l'expression. D'ailleurs, vous voyez le matos que vous voyez là. Il sert aussi dans des classes de CE1, de CM1 pour faire de la radio avec les gamins. Il faut que vous veniez avec mes CM1, là. Hein. Ah oui, Thomas, il y a un site. Venez mettre l'ambiance. Et puis, on refait une émission de radio. On ne vous lâchera plus. Ça y est. On va faire de grandes choses ensemble. Donc, du coup, on arrivait à enchaîner un petit peu sur les projets. C'est un de tes projets perso, qui ne fait pas partie du collectif 13, Cyrano. Est-ce qu'il y a des projets en cours là dont vous souhaiteriez parler? Et après, bon, on va devoir se quitter à un moment. Mais voilà, des petits projets dont vous souhaitez parler qui vous concernent, vous perso ou sur le collectif 13. À vous de choisir. Tout le monde est en train de faire des efforts. Projet. Des choses dont vous souhaitez parler qui sont peut-être abouties, je sais pas. Non, personne n'a envie de tirer la couverture vers son projet perso en ce moment-là. Peut-être que l'envie commune, elle est d'essayer de continuer à fédérer des gens qui ne se ressemblent pas. Mm-hmm. Parce que la place d'un artiste aujourd'hui, elle est de créer du lien. Nous-mêmes, au départ, on ne se ressemble pas. Et c'est là qu'on commence à s'enrichir. Ça paraît bateau, mais les mots simples sont souvent les plus percutants. Et je pense qu'on apprend tous là-dessus. Déjà nous-mêmes de nos différences, après 10 années de scène, voire 15 ou 20. Et je pense qu'on se souhaite, et on souhaite aux gens de venir nombreux sur scène, parce que c'est là que ça vit. On peut faire de la radio, on peut faire des disques. Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que ça prend du sens quand on est, et c'est pas démonstratif, quand on est avec les autres. C'est aussi pour ça qu'on descend beaucoup en scène. Mm-hmm. Parce qu'en général, moi, je déteste les spectacles démonstratifs. Ouais. La personne vient montrer l'étendue de ce qu'elle sait faire. Non, on a fait des chansons comme ça pour les partager et pour que les gens se les approprient. Donc c'est peut-être ça l'envie commune. Mais vous, c'est pareil, hein. Sans vous en rendre compte, je viens de prendre un coup de soleil à Paris. Ah merde, non ça, c'est pas vrai. Tout, c'est énorme. On va s'y avec un coup de soleil à Paris. C'est peut-être qu'il y aura un autre album du collectif. Ah. Oui. Et alors, du coup, là, c'était, il y a une date de concert ce soir. Il y en a d'autres qui s'enchaînent, une tournée derrière. On est à Longue-la-Ville jeudi, c'est ça? C'est ça, vendredi? À Vérac samedi. À Vérac, mais c'est à côté de chez mes parents, ça, dans le 46, là, dans le. Mais tu salues Monique de notre part. Monique, si tu nous entends. Ok, salut Monique. Salut Monique. Salut Madame Labbé, que je salue également. Il y a 25 dates sur à peu près tout l'été, jusqu'en septembre, octobre. Oh là là, et donc là, c'était la première aujourd'hui? Voilà, c'est ça, c'est la première. Oh là là, l'ouverture. C'est la rentrée scolaire. C'est la rentrée scolaire, c'est parti. Maintenant, faut bosser, les gars. L'inverse plutôt. Voici l'école, c'était comme ça. Ce serait vachement sympa parce que vous avez l'air de vraiment prendre votre pied à être tous ensemble. Et moi aussi, j'ai pris mon pied, donc je voudrais vous remercier, chacun de vous. Alors, j'essaie d'oublier personne parce que vous êtes quand même 7. Il y a eu il y a Mourad qui devait venir. Alors, Mourad fait la sieste. Mourad fait la sieste, il faut un temps pour tout. Erwan l'a remplacé, brillamment. Au pied levé, je ne sais pas. Et puis, Max, Cyrano, Gary, Barcella, Jérôme, Ali, j'ai oublié personne. Je ne crois pas. Forcément, mais. Ouais, forcément. Après, il y a tous les autres du collectif 13. Je voudrais vraiment vous remercier pour toute votre bonne vibe. On s'est bien marré. C'était un bon moment qu'on a passé tous ensemble. Ça a été pour toi, Thomas. Impeccable. Ouais, t'as passé un bon moment toi aussi. Écoute, comment faire autrement, quoi. C'est clair que c'est difficile. Merci Erwan qui a la vidéo également, qui a dû prendre un coup de soleil, mais il a un chapeau. Merci beaucoup. Jérôme de Sangazil. Ravi d'être avec vous. Et voilà, donc toute l'équipe a été présentée. Je vous souhaite un excellent concert ce soir. Merci les auditeurs de nous avoir suivis, comme tu peux le faire tous les jeudis à 19h sur radiolézard.fr. C'était À la clé, au soleil, sur la terrasse, qui nous a accueillis très gentiment. Merci aussi à la MJC de Noisiel et à Turbulence pour leur soutien à cette radio. C'était Rémi Le Forestier dans les acoustiques sur Radio Lézard. Merci Rémi. Bonjour Rémi. N'hésitez pas à laisser vos impressions sur le site de Radio Lézard. C'était Les Acoustiques sur Radio Lézard.